a encore une semaine de travail. On va faire beaucoup d'affûtage, de travail de vivacité et on va prendre du jus. Le message que je voulais vous faire passer, c'est que des Jeux Olympiques, on n'en fait pas souvent. Donc profitez de tous les moments, profitez de tous ces moments. Et parce que jusqu'à présent, la France est qualifiée que la France, l'équipe de France féminine, que deux fois pour les Jeux Olympiques. Il y en a qui ont eu la chance de jouer les Jeux, d'autres pas, mais surtout profiter de ces moments. Ok. Franck a essayé le décalage horaire, il y a eu plus de 10 heures en avion. Là, ce qui est important, c'est le travail de proprioception, pour reprogrammer un peu le corps, faire beaucoup de souplesse active, puisqu'au niveau du bassin, des muscles, les filles vont être un peu impactées par le voyage, donc pas mal de souplesse active. Et puis derrière, reprendre le ballon, très simplement, sans changement de direction, avec des gammes dans l'axe de la jonglerie. Et on va finir par quelque chose de ludique. Non, il n'y a pas là. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, j'ai mal au bras. Je ne veux pas de déplacement avant, arrière ou latéraux. C'est juste repris de... Ah, très souple. On cède les bras pour tirer, armer et frapper. On reprend toute la mécanique. Des pieds, donc je donne l'addition en regardant les mains. À 4. Okay. Bien joué, Marc. Bien joué, super Claire, super.
Et je repars. Bien joué. Oui. Et un peu plus fort, Albert. Ça fait partie de cette préparation des Jeux Olympiques. Et puis là, ben, on va passer à l'entraînement par jour, avec, en diminuant le temps des séances d'entraînement, en augmentant un petit peu tout ce qui est vitesse et intensité. C'est l'objectif d'affûtage, d'arriver dans les meilleures conditions pour le match de la Colombie. Diagonale de l'autre. Quart de tour de l'autre. Quart de tour.